Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve dans la chasse aux pièces pour obtenir notre artefact. On va enfin se débloquer. Je vous avouerai que j'ai regardé une petite soluce pour voir ce qu'il me manquait. Et on va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, il nous manquait deux morceaux. J'en ai trouvé un par moi-même qu'on va aller récupérer tout de suite. Et pour l'autre, vous voyez tout simplement, j'ai pris plein de lunes à l'un et on va devoir attendre la fin de la journée, pour une fois. Et pareil, j'ai regardé sur la soluce pour savoir comment faire pour upgrader mon camp. Ça commençait à devenir un peu pénible et en fait, tout simplement, il semblerait que j'ai pas du tout essayé de aspirer à fond. Voilà, donc... Il suffisait de faire un petit coup d'aspirateur très fort. Et on est du coup débloqué. Donc on va descendre du coup. Parce que j'avais absolument pas de raison de monter. On voulait descendre. Normalement, j'ai fait les choses bien et j'ai pris un tonique. Parce qu'on va avoir à se battre. Déjà... contre ces crapauds. Si je pouvais en avoir qu'un seul à la fois, ça m'arrangerait, genre comme ça. Non, non, non. Est-ce qu'on peut en attirer un? Alors, est-ce que j'aurais un tonique nauséabond? Oh bah non, je les ai tous rangés. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le tonique ici. Et... le tonique là et ensuite on va se faire ce crabe. Ok, par contre les farfelins sont vulnérables, pas nous. Hop, ils sont soignés, on va profiter qu'ils sont vulnérables, ça commence à faiblir. Ça va. C'est toujours un peu. Oui, par contre, nous, c'est catastrophique. J'ai pas gardé de repas dans mon inventaire. Oups. Bah, on ira chercher un repas tout à l'heure. Quand on sera au niveau du camp. Donc, on met des lunettes sur la pierre. Et on met. Est-ce que j'en ai pris assez? Je pense que oui. 10, c'est ça, j'en ai pris assez. Voilà. On récupère le monde ici, on récupère le monde là. Et ils vont aller tranquillement où il faut déposer leurs morceaux. Leur morceau étant là, je vais chercher un petit repas. Maintenant que j'ai un super camp dans lequel je peux stocker mes affaires et récupérer un repas. Oui, un jus de pomme-pomme, c'est parfait, un jus de pomme. Donc on va boire le jus de pomme-pomme. Pas encore arrivé, il monte tranquille. Et voilà une bonne chose de faite. 59, j'en ai un qui glandouille là-bas. Je vais le récupérer. Ça a l'air d'être un lune à l'un en plus. On a besoin de tout le monde. Tout à fait, il était là. Du coup, je prends la petite pièce que je n'avais pas prise. Donc, on va aller se rapprocher au maximum, se préparer au maximum, hein, puisqu'on va devoir.
faire des choses de nuit. Et comme vous avez pu le voir, j'ai prévu un certain nombre de lanternes éveilleuses dans mon inventaire. Du coup, on pourra tout simplement s'en occuper un peu plus. Et alors, et du coup, tout simplement, suis-je en train de prendre le bon chemin? Je suis pas du tout en train de prendre le bon chemin, il faut longer ici. Et on va se retrouver du coup face à ce rocher qui brille avec des petites lunes dessus, hein? Comme si c'était pas suffisamment évident. Je n'avais pas compris le message subliminal qu'il y avait. Je suis peut-être coupable. Donc, surtout qu'il y a un petit message, j'imagine. Oui, ce nez au clair de lune à la tombée de la nuit feront bonne fortune. Hein. Je l'ai lu, hein, pourtant. Hein. Pas comme si c'était suffisamment clair. Merci, Chobiti. Et du coup, bah, on va pouvoir attendre la nuit. Donc, on va surtout pouvoir poser une petite loupiote le long du chemin. Donc ici, il y a déjà une lanterne. Là, on pourrait éventuellement mettre des lunes à l'un s'il nous en reste. Ici, ici il y a une lanterne. Pareil, on pourrait éventuellement se mettre des lunes à l'un. Ici, pareil. Je vais mettre une loupiote par ici. Par là. Par ici. Et je n'en ai plus, donc je vais pouvoir mettre des lampes. Voilà, donc on commence à entendre la nuit qui tombe. Cette fois-ci, on est préparé, on a mis des veilleuses. On a un super camp, dans lequel on va pouvoir se reposer, dans lequel on va pouvoir poser nos objets aussi. Dans lequel on va pouvoir se dire et si je prenais un tonique nauséabond au cas où. Tonique de rappel, c'est pas mes préférés, il me reste des veilleuses. Je vais les prendre. Et un repas, ça devrait le faire. Je vais prendre un jus de pom-pom parce que j'ai de la place. Voilà. Donc on s'est préparé le chemin, on a réfléchi cette fois-ci, tout simplement, et on va pouvoir exploiter ce pouvoir de la lune. Donc pour l'instant, vous voyez, il fait jour. Les farfelins sont tout ce qu'il y a de plus normal. En ai-je pris assez ? J'en ai peut-être pas pris assez, je suis en train de me dire. Encore heureux que le corps n'est pas loin. Je veux retirer des farfelins. C'est ça, j'en ai 30 en tout. Je vais bien enlever de cela pour récupérer de cela. Voilà, on entend le loup qui hurle. Mais on a mis plein de veilleuses partout. Toi, on n'a pas forcément besoin que tu sois là pour l'instant. Oui, voilà, j'en ai 30. Et vous voyez, je vais le refaire. On est de nuit. Et un lunalin, ça en vaut 3. Du coup, pour arriver à 70... J'aurais dû mettre une loupiote par là, d'accord. Ben, je vais la mettre une loupiote par là tout de suite. Comme ça. Et rajouter des lunalins. Ah, il pousse ma lanterne. Vous avez pas honte, les gars. Et après, je sais pas du tout si on a besoin d'y être de nuit. Donc on va quand même éclairer, vu qu'on a la possibilité d'éclairer.
Normalement, ça devrait retenir le jamais. Il me reste que 2 farfelins. J'en avais 30. C'est où les autres? C'est que je sais pas compter. C'est qu'il y en a peut-être qui font les... Je suis persuadé d'en avoir pris 30. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans les groupes. Qui devraient pas. Voilà. J'en ai 10. C'est déjà... Ça va me permettre de tout allumer. Je sais pas si c'est utile de tout allumer. Mais au moins ça fera une zone safe. Donc on a plein... Je vais récupérer les deux premiers, je pense que... Je pense que 4 ça suffit. Au pire on les remettra parce que je... On va avoir besoin de l'une à l'un pour là. Je sais pas combien il en faut. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je mette des lunes à l'un partout? Parce que s'il faut... 5 farfelins, soit x4 tuiles. On va essayer d'aller lire le panneau. Le chemin à suivre, indiqué par les pierres, pour ceux qui voient dans, dans les ténèbres la lumière. Le chemin à suivre dans la lumière, pour ceux qui voient la voie à suivre dans la lumière. Je sais absolument pas ce que je suis censé faire, sur quelle tuile je suis censé mettre mes farfelins. Je vais quand même du coup... Peut-être qu'on a quelque chose qui va effectivement s'allumer si on met... On est dans la lumière, on est dans la lumière. Si je mets... tous les farfelins, il y a peut-être quelque chose qui s'allume. Paf, paf. Est-ce que je vois quelque chose qui s'allume? Quelque chose qui se dit? Quelque chose qui me dit ce qu'il faudrait faire? C'est pas évident. Après, il y a effectivement des zones qui sont un peu plus lumineuses du coup parce qu'il y a des lanternes, mais de là à dire que ça va nous résoudre l'histoire, ceci est bien compliqué. Bonne nouvelle, c'est qu'on a toute la nuit pour y réfléchir. Bah non, vu que n'est plus la nuit. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Du coup, déjà, on va pouvoir aller par là, tranquillement, sans craindre grand-chose. Ah, il y avait peut-être des choses à faire liées à ces positions de runes. Ah, il faut peut-être que je vienne ici, voir ce que ça donne. De nuit. Wow. Bah, peut-être pas attendre toute la journée du coup. Une page de livre. Est-ce que... Ah, page 14. C'est la page 6 qui me manque aussi. Je le sais. J'aimerais bien la trouver. Et oui, effectivement, on devrait pas être très loin du coffre. Genre... par là. Donc le coffre, c'est fait. Du coup,
Le chemin à suivre, indiqué par les pierres, pour ceux qui voient dans les ténèbres la lumière. Effectivement, du coup, ça a l'air de nous dire qu'il va falloir qu'on regarde ces pierres là, de nuit, pour voir ce qu'on peut en faire. Je vais mettre une loupiote. Est-ce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'une loupiote? Ça paraît évident. Je vais poser une lampe de fortune et une autre lampe de fortune. Parce qu'on sait jamais. Au cas où la loupiote soit pas assez efficace. Par contre, on va peut-être pas rester à attendre ad vitam aeternam que la nuit arrive. On va peut-être... On va pas changer de zone parce que ça enlèverait toutes nos veilleuses. Et normalement, j'ai toujours une chasse en cours. Je pose la question. Déjà, c'est quoi cet endroit? Un temple des anciens gardiens se trouve à Fumerol, mais on ne sait plus comment ouvrir ses portes. S'il y a un endroit dans les bois sombres qu'on pourrait décrire comme idyllique, ça serait l'étang de demi-lune. On y croise aussi parfois une espèce rare de farfelin. Une étrange créature, une sorte de berger, s'occupe d'eux normalement, ce qui fait un moment que Lord Lovergarde n'a pas eu de ses nouvelles. Et ce que je voulais surtout savoir, c'est... Allez, on est ma chasse. C'est pas très glorieux. 3 sur 10. On fait avec ce qu'on a. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai quand même bien dégagé le chemin. On va pouvoir y arriver. On va peut-être, tout simplement... Je sais qu'il y a un nid de ces cochonneries que j'ai besoin pour ma chasse. Alors, par contre... 1 tonifiant résistant qu'on utilise là. Et on y va tout de suite. Voilà. Je vais le buter. Ah, il y en a un autre qui est sorti. On va essayer de l'assommer. Vous me le butez. Ah, il y en a un autre qui est sorti encore. Assommez-les tous les deux. Non, il paraît avec ça. Avec notre lune alain. Il s'est paré avec notre lune alain. Et tapez sur celui-là aussi. N'oubliez pas de taper sur celui-là. Allez, au boulot. Allez, on y... tout le monde va au boulot et vous me laissez les objets. Bon, bah ça s'est bien passé, on a perdu personne. J'aurais pas été aussi optimiste. Bon, c'est parti. 52. Il y en a là qui font les gandules là. 59. Ça doit être celui-là. Qui fait pas partie du troupeau. C'est parfait. J'entends un crapaud. On va essayer de l'éviter. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et je vais... profiter pour prendre de la sève, on va essayer de faire éclore plus de lune à l'un, parce que visiblement ce sont eux qui vont nous être utiles, pas forcément les autres. Donc on va pouvoir en faire éclore quelques-uns. Je pourrais aussi essayer des combinaisons aléatoires, mais c'est pas forcément le but du jeu. Donc on va faire éclore des pépins. On va faire éclore tous nos pépins de lune à l'un. Il y a trop de farfelins extérieurs, je suis au courant. Mais on va du coup tout faire baisser. Sauf ça.
J'en ai 52. Je peux donc me rajouter quelques farfelins. Je ne sais pas lesquels vont être utiles. Deux de chaque. Et ça fera le taf. Donc là, il se réorganise. Et voilà, on est en pleine journée, donc on a passé la moitié de la journée. Ça commence à faire beaucoup. Je vais peut-être passer l'autre moitié de la journée en off et vous faire revenir de nuit. On va se préparer, de toute façon, on le sait. On va être par là. On va être avec 5 farfelins ici. 5 farfelins là. Cinq farfelins ici. 5 farfelins là. Il y en a qui font les malins. Voilà, 30, on est bon. On a mis tous les farfelins où il fallait. Eh bien, du coup, je vais vous laisser là et vous reprendre dès que la nuit est arrivée. On va même se mettre en haut, puisque on sait que c'est en haut qu'il va falloir qu'on fasse des choses, qu'on regarde des choses. Et je vous dis à tout de suite. Et donc ça y est, la nuit est en train de tomber. J'ai rajouté quelques veilleuses et lumières. J'espère que ça va pas nous gêner à lire l'énigme. Mais en tout cas, ici on devrait être protégé du jamais, pouvoir réfléchir sans aucun souci. Et voilà, j'ai déjà l'impression de voir des petits symboles qui s'illuminent. Donc il y aurait cette pierre-ci illuminée, celle-là, celle-ci et celle-là. On va retenir. La nuit est tombée, ça y est. Donc j'ai aussi mis une veilleuse là. Donc on a dit. Ici. Là. J'ai déjà oublié. J'ai l'air con. Ici, là, celle-ci et celle-là. On reste dans les lumières. Ici. Et là. Et c'est parfait. On a réussi. On a débloqué. Alors, je sais pas combien en deux farfelins vont être nécessaires. Déjà, on sait que ça va être des lunalins. Et j'aurais dû mettre une petite lupiote un petit peu plus près. On va se dire que le temps qu'on fasse, ça va le faire. Bah, surtout qu'on est de nuit du coup, donc ça va mieux. On va aller activer cette chose-là. Et cette chose-là. Ils ont réussi à toucher le jamais, j'ai l'impression. Ça voudrait dire qu'on pourrait les combattre. Utiliser le jamais pour les combattre. Sans qu'ils subissent trop de dégâts. Ce qui pourrait être une bonne idée. Donc, je récupère cela. Je récupère cela.
On récupère cela. On récupère cela. On récupère cela. Et cela. Et on se dépêche dans la lumière. Ils sont où? Ils ont pas tout à fait encore franchi le pont. On va aller les rejoindre. On va aller les rejoindre tout de suite. J'ose quand même pas les balancer sur le jamais. Je vais essayer la prochaine fois. Ici. 2, 3, 4, 5. Donc ils sont là. Nos petites veilleuses ont pas l'air d'être très efficaces. Je confirme. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas les balancer sur le jamais. Je sais pas comment le jamais a réussi à nous... Ouais. Donc ça serait bon à savoir. J'ai peur qu'ils n'étaient pas passés. J'ai l'impression que les veilleuses et les lumières sont efficaces vraiment qu'une nuit. Ah, je vais en remettre une du coup. Ah non, si, c'est la même lumière faiblarde. Et ce jamais qui nous poursuit. Et cette porte qui s'ouvre. Alors, hop, tu m'as pas vu le jamais. Je suis dans la lumière. Par contre, on a perdu des farfelins en passant. J'ai pas très envie de les perdre parce que on sait que si on les perd définitivement, ils peuvent être. Ils vont mourir tout simplement. Hein. Ah, bah oui, on en a laissé là. Allez, on court. Hop. On est au camp. Tout va bien. 58, j'en ai encore deux qui font les malins. Ils doivent être sur le chemin. Ils doivent être là. Ah, ils sont là. Voilà. Hop. On court. On va aller changer de zone. On ne perd personne. Et on entre. Ah. Bah j'ai pris seulement deux Breslin, donc bah oui, voilà, ça va aller très vite, hein. Ah, c'est bon, ils s'en occupent. Ils nous dégagent le chemin, on va pouvoir aller voir ce qu'on a. Donc on a des choses là. On a du jamais. Je suis trop près là ? Je pensais pas être trop près. Bon, on aura perdu quelques pièces, hein. C'est ça, on a perdu Monsieur Cochon. On a perdu notre tirelire. C'est pas grave, tant pis. Si les pièces, c'est pas ce que j'ai le plus en ce moment. On va en profiter pour casser tout ça. Vous n'êtes pas obligé de porter les objets. J'ai de la place. Sinon, vous me dites simplement que j'ai acheté mes améliorations de mon sac pour rien. On a une page de livre. Et visiblement, ce n'est pas celle qui me manque. En tout cas, pas celle que je voulais. Non, c'est toujours pas la page 6. J'ai dû l'oublier dans une zone. Ce qui veut dire que potentiellement, faut que je fasse toutes les zones pour retrouver la page qu'il me manque. Mais en attendant, on a trouvé un Natam en gibéon de flot. Une petite lame courbe en gibéon, un objet tombé sur terre il y a longtemps. Le matériau sensible, semblable à du fer, porte des hachures et sa lame était aiguisée. Sur sa lame en bois, des lettres incroyablement petites. Et graver le nom de Flo. C'est un des artefacts de Vergard perdu. On les a tous, on a réussi! Génial! Quake! Kirby! Grimanto, on vient de récupérer le troisième artefact et... C'est trop tard. Ils sont partis.
Qui est parti ? Au bosquet, vite ! Je ne vais pas tarder à partir aussi. J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous dire. Dépêchez-vous. On va finir de piller d'abord. Et ouais, je suis un peu triste d'avoir pas la page qui me manque du livre. Je la chercherai certainement en off. Parce que le but, c'est quand même que je puisse vous lire le livre dans l'ordre avec toutes les infos. Donc voilà, vous voyez, on est parti et toutes les loupiottes qu'on avait posées sont parties également. Non, le TP est par là. On va y aller vite, vite. Et je pense que ça fera la dernière chose qu'on fera dans cet épisode, c'est regarder cette cinématique qu'on va voir avec Grimanteau. Ouais, Kirby, bien. Je suis content que vous soyez là. Vous allez bien ? Je n'ai pas beaucoup de temps, je sens les derniers fils de mon esprit se casser. La plupart des autres aussi. Ils sont partis. Il ne reste pas un seul souvenir. Ils ne vous reconnaîtront pas, j'en ai peur. Le jamais est en train de consumer mes dernières bribes de mémoire. Il n'a plus besoin de moi. J'ai peur qu'arrive bientôt le moment où je ne me souviendrai plus de ce qu'il faut absolument que je vous dise. Dites-nous ! La sorcière verte. Elle et Poche Profonde, ensemble, ils ont conçu un enfant. Quand Poche Profonde est entrée dans Ombre l'été pour affronter le jamais, en dépit de nos mises en garde à tous, et après ce qui est revenu portant son corps, elle a décidé de cacher leur enfant dans votre monde, hors de portée du jamais. Quand elle est revenue au bois sombre, elle était très malade. Avant de mourir, la sorcière verte m'a prévenue de votre venue. Elle m'a demandé de donner le livre à cet enfant, qui l'aiderait à refermer le passage, probablement. Et ne vous méprenez pas, Maître Wake. J'ai vraiment cru qu'elle parlait de vous. Après tout, elle vous a laissé entrer. Mais, Maîtresse Kirby, quand vous êtes arrivée, seule la sorcière verte peut ouvrir et fermer la porte des bois sombres. Elle m'a prévenu. Je venais juste de me rappeler. Vous ne devez pas. Oh, Grimanteau ? Votre phrase est restée en suspens. Oh, je suis désolée. Que puis-je faire pour vous, mes enfants ? Hein ? Eh, vieillard, quel est votre nom ? Oh, eh bien, ce doit être... j'ai oublié, semble-t-il. C'est terriblement embarrassant. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'indiquer le petit coin ? Kirby, je pense qu'il est parti. Qui est parti ? Vous savez, vous ne devriez pas vous promener dans la... Vous ne devriez pas vous promener dans la nuit ? Ok, c'est bon. Bois, grouille de loup. Je crois bien qu'on va devoir se débrouiller seul. Retournons au cataphacte, une dernière fois. Oui, retournez à la boîte et dans le trou en dessous. Vous ouvrirez même la voie. Mais d'abord, une dernière petite bouchée. Oh. Ah ! Il a eu Wake ! Ouais, que ça va, ce crétin n'y est pas allé de main morte. Arfouet, ça va, t'es pas blessé? Non, on dirait qu'il m'a raté. Quelle chance, bon, on ferait mieux de partir, ça ne me dit rien qui vaille ici. Eh ben, effectivement, ça me dit rien qui vaille. Mais, du coup, eh ben, on verra ça lors du prochain épisode. Tout simplement. C'est vrai que s'ils nous ont oubliés, tous... Et qu'on est le dernier rempart, ça va être compliqué. Mais bon, c'est pour ça que la sorcière verte nous a fait rentrer après tout. J'espère que cet épisode vous a plu. On en a bien avancé, on s'est bien débloqué et l'histoire s'avère très intéressante. Alors, pour moi, c'est pas une surprise de
faut savoir que l'un des deux enfants était le fils, ou la fille, du coup, plus précisément, de Poche Profonde et de la Sorcièrette, puisqu'on a, en fait, dans les petites discussions que j'ai pu faire en off, justement, toutes les petites discussions de « je discute avec les uns les autres pour leur ramener leur chat, pour leur ramener leurs objets », j'avais déjà eu des petits fragments de « il y a un enfant, ah là là, il faut pas en parler, c'est l'enfant de Poche Profonde ». Donc, pour moi, c'est pas une surprise, mais pour vous, je pense que c'en est une bien grosse. Et j'espère qu'elle vous fait plaisir, et qu'on va voir ce qu'il en retourne, de quel pouvoir on peut avoir. Eh bien, du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye.